Ben voilà, on est là dans ce super ranch américain au Texas, à côté de Dallas. Et en fait, c'est des gens qui ont une grande maison avec un grand terrain. Ils ont des Des chevaux chevaux, partout. ils ont plein de trucs, des tracteurs, un petit lac. Et en fait, ils ouvrent leur maison pour ceux qui ont perdu leur mari ou leur femme et qui ont des enfants. Et en fait, ben, nous, ça nous touche tellement parce que ben, ouais, on voit ben, ce qu'ils ont et ils pourraient le garder pour eux. Et en fait, ben, ils l'ouvrent à d'autres, ils l'ouvrent à ceux qui n'ont pas grand-chose en fait. On a assisté à une journée comme ça, on a pu discuter avec des jeunes. Ouais. Ils pouvaient faire un tour de cheval gratuitement. Ça serait bien qu'on puisse voir plus de choses gratuites comme ça en France, hein. Ouais. Un tour de charrette. Juste voilà, la maison ouverte, le jardin ouvert, tous les chevaux qui étaient là. Il y avait aussi des. C'est pas. Les chevaux n'appartiennent pas tous au propriétaire de la maison. Il y a aussi des gens qui étaient là et qui voulaient participer et prêter leurs chevaux pour l'occasion. Ouais. Et ça, ils font, je crois, une fois par mois. Ouais, une fois Et par mois, ça y est, les gens connaissent. Du coup, ils ont de plus en ouais. plus de monde. Et c'est juste super. Et C'est trop bien. en fait, on voulait partager ça juste parce que, ben, parce qu'on pense que c'est important que tout le monde sache que c'est pas réservé qu'à certains de faire ça, mais juste que, ben, on commence avec ce qu'on a. C'est pas parce que, en fait, c'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on va être plus généreux. En général, c'est même plutôt l'inverse. Et en fait, ben, voilà, avec le peu qu'on a, si on a même juste une petite maison, ben, de l'ouvrir pour juste prendre le temps de discuter avec des gens qui en ont besoin. Ou juste de. Ouais, si on a un animal, le partager avec des enfants C'est parce que ça. les enfants aiment tellement les animaux. Juste Ouais, être en fait, généreux, quoi. c'est ça, c'est le principe de partager ce qu'on a, de commencer avec ce qu'on a et de pas attendre d'avoir pour le partager. Parce que si on n'est déjà pas prêt à partager le peu qu'on a, alors comment on pourrait partager le beaucoup qu'on a? Et ouais, donc c'est. Ouais, donc ça nous inspire en fait, ça nous inspire tellement de voir ce qui se passe ici de cette manière. Parce qu'ici, en vrai, y a beaucoup de gens qui ont des grandes maisons comme ça, avec des grands terrains, avec plein de chevaux. Enfin, mais en fait, on n'en connaît qu'un qui fait ça ici. Et cet homme qui a cette maison, il a un cœur tellement énorme pour tellement de gens. Et voilà, quand il n'a pas limité ça que pour sa famille, il a ouvert ça pour des gens qu'il ne connaît même pas. Et on ne sait pas ce que ça peut produire dans le cœur des enfants qui viennent ici, qui ont accès à tout ça. Ils viennent, ils pêchent. Enfin, voilà quoi, c'est juste cool quoi. Ça les fait sortir un peu de leur réalité. Aussi, ils ont plein de volontaires, ça on a Ouais. peut-être oublié de le dire. Ils ont Ouais. plein de volontaires, des gens qui donnent de leur temps un Ouais. samedi matin par mois. Allez hop, ils viennent, ils aident pour les enfants qui font de la pêche dans le lac derrière là-bas. Ils aident pour monter les chevaux, pour seller les chevaux. C'est beaucoup de travail aussi. Ils sont là, ils Ouais. sont volontaires. Ils donnent ce qu'ils ont, quoi. Ils donnent un peu de leur C'est temps, ça. de leur personne. C'est super. Ouais. C'est super encourageant. Donc voilà, ben, soyez encouragés aussi de voir ce qui se passe ici. Et puis ben, vous aussi, ouvrez votre maison et partagez, commencez à partager ce que vous avez. Allez, à Yes. bientôt. Ciao!